Oui, mes chers compatriotes, bonjour. Na pesibino basombote, eza la voix de Kivu, la voix de sans voix, toujours au service du peuple. Bana mboka, bana Congo. Tolingi toi ko confirmer information oyo ezali que il y a eu des éléments M23 oyo bakangaki bango pembeni ya rond-point soldat na kati ya ville de Goma. Nde bakangaki bango pembeni ya rond-point soldat oyo nyonso ayebi Goma na rond-point soldat nde bakangaki ba elema wana bazalaki au nombre de 20. L'information que je suis en train de vous donner, c'est une information vraie et utile, même et utile na kati ya service ya renseignement ya armée na biso. Ba oyo bazokoma na ba réseaux sociaux que non, c'est du mensonge. Bayeba ke information eza vraie. Parce que, bon, nous avons une question. Vous voulez nous dire que les militaires kenyans, dès qu'ils se déplacent, le gouvernement est bien en Bangote, le maire de la ville est bien en Bangote, les militaires, moi, je ne les appelle pas les mercenaires. Parce que les militaires, mais, bakangaki bango na kati ya mutuka oyo eza bien filmé balataki ba teni ya armée kenyane. Alors pour racheter l'armée kenyane de bomoni obandi koloba ke c'est une fausse information, mais l'information que je suis en train de vous donner, c'est une vraie information. C'est une information et puis ces 20 éléments wana erotozo nazo koyebisa bino awa bazali na kati ya bureau de bazo le kan interrogatoire, donc bazo tout na bango ba question ko interroger bango poto iba ye ba secret nini munguna za nango. Bande ko nangai la voix de Kivu, la voix de sans voix, tout ça ka une information za bien vérifié même ça ka bi na kota kanase ya mai ba service partout tozo ko solola tozo ko loba tozo ko yeba nini ezo koleka. Mais tokoki ko yebisa bino te keno bakangi bango place boye bazo tuna bango boye mais il paraîtrait le il y a beaucoup de militaires rwandais na kati ya parc bazo ko se préparer ko sala asso munene na kati ya ville de Goma. Alors munguna oyo ennemi azali ko tala koma koki ko s'infiltrer na kati ya ville de Goma pour ka perturber Goma. Alors, bakangaki bango bazalaki 20 bien armés na ba teni ya Kenya. Alors, j'aimerais que notre armée est à la cœur et pas population. Vous demandez le soutien de la population et la population aussi a besoin de la clarté. Ezate ke pose que ba Kenya ce sont des EAC, alors ba kotisi munguna bino bolingi bo sokola bango po une population et attaquer bango te. Awa eza makambu bazo ko kobanga bino population pour que ceux qui vont visiter bino makambo solo boko attaquer ba base ya ba armée kenyane ba militaire kenyan. Alors c'est comme ça information mususu to bisa bino balobi boye nanu ezate tuzozela oyo bakoloba la voix de Kivu tokoya lisusu na plateau na bino oyo tokoya lisusu koyebisa bino kino ba M23 wana balobaki boye bo mais na pesi bino nombre baza au nombre de 20 bien armé. Et puis bato liboso ko suspecter bango bazalaki ba risque. Après ba risque ko suspecter bango ba telemisi bango ba bengi sikoyo ba service mususu ya sécurité et wana ba yoko kanga bango après ba service mususu ko yoko kanga bango maire de la ville aye nde ba memi bango na nani na auditorat militaire ya ville de Goma. Baza place sokolo pa kalaboye bazoko interroger bango nanu pour avoir toye ba makambo mususu. Wana des informations, je vous les confirme que non, ces gens-là, donc il y a des militaires des M23 qui ont été capturés par nos forces de sécurité. Mes chers compatriotes, Totiwana, il y a une inquiétude que nous avons, nous la population, c'est vis-à-vis de notre armée. Vraiment, une république de pernichards, ce n'est pas bon. Je veux passer à la lecture d'un communiqué de notre armée. Donc, nous, la population, vraiment, Toyamba qui ango bien te, lecture ango za lobby le 18 mars 2023.
Et le biboué, République démocratique du Congo, province du Nord-Kivu, cabinet du gouverneur, les porte-parole. Communiqué de presse numéro 01-0013-KB-PP-23. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent une fois de plus l'opinion tant nationale qu'internationale sur des récurrentes violations du cessez-le-feu par les M23-RDF en dépit de plusieurs appels irrelatifs lancés par les différentes organisations sous-régionales, régionales et internationales. En effet, en date du 17 au 18 mars 2023, cette coalition terroriste s'est illustrée par des attaques de différentes positions des FARDC, notamment Amtapi, Kabaya, Niabibwe, Kadirisha, Bubare, Nyamimanzu, Cheferi de Baoundé, en territoire de Masisi. Et les affrontements sont en cours. Pour ce faire, les FARDC en appellent pour une énième fois la communauté internationale, l'East Africa Community, BAR-RF, les mécanismes conjoints de vérification élargie ainsi que les mécanismes ad hoc de vérification de ces césures d'urgence de cette situation et d'en tirer les conséquences qui s'imposent. Toutefois, les forces armées de la République démocratique du Congo restent déterminées à défendre l'intégrité du territoire national et le mettre à l'abri des actes terroristes et barbares du M23-RDF, la population des zones menacées. Mes chers frères, mes chers compatriotes, cette histoire ici, une armée de nos sakatés, j'appelle notre armée, ces gens ici, il faut ba militaire na biso ba zo ba responsabilité ba militaire na biso ba tala ndenge nini ba kokibeta biso ba kongo tsala besoin ya ko oyo za mboka ya East Africa Community te malgré Félix Tshisekedi alobaka ke non to ma East Africa Community nde ko koma sikoyo mabele na biso biso ba kongolais East Africa Community jamais ko koma ka mabele na biso te. Alors j'appelle toute la population congolaise ya ko sala boye toyebake armée oyo na biso makambo bazosala eza injuste, ce n'est pas une chose à soutenir. Armée, il faut se préparer na bataque, nous devons attaquer l'ennemi. Bon, donc même maman il m'a dit loba l'équipe non ba il m'a dit soki ba monyaronda ba yoko bato na kati ya mboka to mona ka communiquer te mais to mona ka kaka repost nani repost ba ki ko reposter ba ki ko attaquer makani ka ba ki ko sala nini boza la une armée responsable. Parce que makambo zoki sabiso soni 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 makasi vraiment tout en a besoin ba ya ba dénonciation na binoté tout en a besoin que bo attaquer munguna munguna yo kake na kuta ni vraiment na force na forces armées de la République démocratique du Congo et nous avons des jeunes qui sont prêts de venir vous aider et ils sont même sur terrain, ils vous aident. Ces histoires ici, arrêtez, cessez ces bêtises. Monsieur le chef d'état-major Tshiwewe, les commandants zone, le gouverneur militaire, ce sont des bêtises que vous faites, vous êtes en train de faire. Cessez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, attaquez le peuple. Tout le monde aussi, ça va Kambouana. Parce que ça, la vie se mette en basse. Et ça, la voix de qui, vous la voix de ça, votre toujours servir du peuple. Merci.